Alors, je crois qu'une des erreurs majeures qui a été commise à la fin du XVIIIe siècle, c'est l'abolition des privilèges en 1789. Parce que une société a besoin d'être divisée en classes. Elle a besoin de respecter une certaine verticalité. On ne peut pas proposer, prôner une unité structurelle d'un seul tenant. Ça n'a pas de sens. L'horizontalité ne fait sens que s'il y a à l'intérieur de chaque structure une division des classes. Ne peut pas mélanger tout le monde avec tout le monde. Et effectivement, il y a le problème du sang, le droit du sang, le droit du sol, mais le droit du sol, c'est le droit du lieu. Et le droit du lieu, c'est le droit du milieu. C'est-à-dire qu'il y a des différents milieux sociaux. Et les différents milieux sociaux, il faut les respecter. Ça correspond aussi à des quartiers, éventuellement. Les villes, autrefois, étaient divisées en quartiers, sur une base ethnique, ethnico-religieuse. Et vouloir abolir et niveler toutes ces divisions internes, c'est une aberration. Alors, astrologiquement, en équinoxialité, on rétablit ces divisions internes. Et en socialité, on veut les gommer, on veut les occulter. Voilà, toute la question est là. Ce sont les deux solutions qui sont proposées en alternance, comme alternative. Faut-il rétablir ces divisions internes à toute société pour qu'il n'y ait pas trop de tirage et de promiscuité? Ou bien faut-il décider qu'il n'y a plus de division et que tous les gens qui sont sur un sol donné ont les mêmes droits? Parce que c'est le droit du sol. Le droit du sol, c'est du moment que je suis sur ce lieu-là, j'ai les mêmes droits que tous les gens qui sont sur ce lieu-là.